Très cher ami téléspectateur, fidèle abonné RDC Monde Télévision, bonjour, peu bonsoir, ça dépend, et beauté, l'absolu partout à travers le monde. Merci encore une fois de plus pour la confiance, pour la fidélité. Pambaté, vous avez s'abonner massivement, vous avez liker, vous avez partager, vous avez commenter. Bah, émission, ça nous fait énormément plaisir. Très cher ami, encore une fois de plus, surtout côté Nilelo. Justement, nous sommes déjà le week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. C'est là qui nous suivent de partout à travers le monde sur votre chaîne de proximité. RDC Monde Télévision. Les actualités politiques, c'est notre affaire. Les actualités politiques, c'est notre credo. Les actualités politiques, c'est notre façon de vous informer chaque jour sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Alors, une fois de plus, les Congolais, nous sommes tous les amis. 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 Donc, likez aussi l'émission de l'émission. Bon, si vous avez été dans le monde, nous avons été à l'échange de vœux. Le chef de l'État, hier, il a communiqué avec les corps diplomatiques. Le chef de l'État a communiqué avec les corps diplomatiques. Et puis, et ensuite, il a aussi réussi les lettres de créance des trois nouveaux ambassadeurs ici en République démocratique du Congo. Mais parlons d'abord, premièrement, que le chef de l'État a communiqué avec les corps diplomatiques. C'était ce qu'on appelle le change de vie. Comme d'habitude, le chef de l'État congolais a essayé de communier, a essayé de partager un verre pour toujours dans le cadre des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les pays autour de la Bango, en bon terme, en bonne relation, tout. Donc, comme ils allaient toujours, l'habitude des chefs de l'État, ils ont d'abord la cérémonie Oyo. Déjà, au chef de l'État, Ayekocha, vraiment, Oyemo, il est là toujours permanent, dans le cadre de la relation bilatérale, il est là toujours permanent en train de recevoir les ambassadeurs. Donc, le chef de l'État ne laisse pas vraiment beaucoup plus d'accès à la ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que par rapport à l'enjeu politique, il y a les lots, par rapport il y a pression politique aussi, par rapport il y a des données autour de la politique congolaise, il y a beaucoup de contemporains fois à la Wano Four et Moulin. Et les ministres et les collaborateurs sont là justement pour l'aider, l'accompagner à exercer très bien son mandat, pourquoi pas aussi à exercer très bien ce qu'il est en train de faire. Mais très chers amis et spectateurs, hier, pendant l'échange des vœux, on a remarqué un geste un peu flou, un geste un peu dangereux. Il y a ambassadeur à Rwanda vis-à-vis Plesso Bazalaki Wana. Bon, on ne sait pas, mais ici, on veut juste analyser. Je vais balancer pour vous une vidéo que vous allez voir. C'est ça, ça passe déjà. Regardez bien cette vidéo. Je vais le répéter 3 à 2 fois. De voir les gestes. Il y a ambassadeur, il y a Rwanda, à Wana Congo, la 4e échange de Véwana. Vous avez vu comment est-ce que l'ambassadeur rwandais a glissé un truc na 4e fauteuil, il y a la place pour Mbagi Bango. Oui, c'est un peu ça. On ne sait pas c'est quoi le truc là qu'il a glissé. Donc, dans cette vidéo que je vous ai montré, que je vous montre aussi, parce que je le répète toujours, nous en balançons toujours, vous allez voir, botel à Binomoko, geste, il y a ambassadeur ya Rwanda na Congo ndenga sali en plein échange de vie. Il a glissé un truc na kati ya kitu ya fanda kiwana. L'image ezanga te mna kriyango. L'image ezanga te mna fabrikango. L'image ezanga te mna montango. L'image où est outil na kati ya présidence, l'image où est bimi na kati ya presse présidentielle, ngai na sayi lisumute. Moi aussi j'ai juste informé l'opinion parce que cette vidéo ezako tambola déjà mingi na ba réseaux sociaux, mais moi je voulais juste faire un commentaire. Moi je voulais juste analyser les gestes. Quand je vous dis toujours que non, les gestes, les propos, les opinions comptent dans la politique, aujourd'hui na mi pe sa raison, les gestes qu'a fait l'ambassadeur rwandais, cela a nécessité plusieurs polémiques, plusieurs critiques, plusieurs hypothèses, à tel point on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait glissé dans le fauteuil, il y a salon présidentiel. Très chers amis téléspectateurs, là, ils ont dit d'abord sécurité chef de l'État. Personnellement, je vais analyser dans 2 points, soit dans 2 volets. Premièrement,
il ne fallait pas la presse présidentielle et bimisa image wana, premièrement. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité du chef de l'État qui est en danger. Comment ça? Lorsque on montre à tout le monde, dans les médias, dans la télévision, quelques bêtises, quelques bavures, et les canarana katia ba salon présidentiel, ton la katia coulisse, le roi plus chef de l'État, yambarabongo ba autorité, soit ba corps diplomatique, et ça la rappelle bien te na miso, yaba congolais, et puis ça la rappelle bien te autobenga bongo toujours dans le domaine privé, dans ba image confidentielle, dans ba vidéo confidentielle, dans ba vidéo, et ça pour la propriété et population et monango. Donc, il ne fallait pas cette image, cette petite vidéo que vous avez vue. Il y a Titi, l'ambassadeur, il y a Rwanda, il y a le salon présidentiel. Premièrement, il ne fallait pas Ebima. Deuxièmement, aussi, cette vidéo, tant que Bimi est pessimiste, pour aussi voir que non, le chef de l'État a beaucoup plus d'ennemis. Pour voir aussi que non, le chef de l'État est beaucoup plus combattu. Très cher ami téléspectateur, diriger un grand pays comme le Congo, ce n'est pas facile. Donc, pour vous dire que non, les choses, ce que c'est fait, au niveau de la présidence, il y a un côté qui a suspens et belé. L'ambassadeur rwandais, Oyoto Yebi l'autre fois, il avait des problèmes. Les Congolais auraient même voulu qu'il n'y ait pas benganaye. Cet ambassadeur est là, rwandais. Tu vois qu'il commence que beaucoup plus de gens bah, ont besoin qu'il n'y ait pas benganaye par rapport à propos Oyo, à Salaki Bongo, à la guerre, à l'Est, et puis à la guerre, à l'Est. Mais, et en fin de compte, le gouvernement congolais l'a laissé à Tikiye, ambassadeur, ils ont continué toujours l'exercice. Awa, bien que par la suite, il avait demandé pardon, mais le pardon ne suffisait pas. Il fallait que tout le monde a que non, cet homme-là, va benganaye, a kende moussika. Hein, a kende moussika, mais, fin de compte, il était resté parce qu'il avait demandé pardon. Mais le geste que ce monsieur-là a fait, la carte à salon présidentiel, chacun de nous va prendre ça selon Ndenge ya Moneli, par rapport à sa réflexion. Moi aussi, j'ai juste analysé. Donc, le geste-là n'est pas vraiment propre. Et les services de renseignement, les services de sécurité, les services de contrôle, les services de santé, dès la présidence, doivent justement essayer et aussi doivent aussi voir, regarder, analyser aussi, avoir beaucoup plus de précision, avoir beaucoup plus d'éclaircissements par rapport à ces gestes-là. Nous sommes en politique. C'est la vie du chef de l'État au Ndezawana. Nous tous, nous avons besoin que non, qu'on puisse voir le chef de l'État vivre longtemps, vivre erré, en bonne santé. Mais lorsque on voit ces gestes pareils, chance aussi. Bon, là aussi, je profite aussi pour dire merci à ces caméramens-là qui est éveillé. Très chers amis téléspectateurs, regardez vous-même comment sont les caméramens Basala Moussala Kitoko. Puis Basala Moussala Malamou. Donc, soit aussi que non, la présidence de la République, soit les salons présidentiels, et rempli de caméras cachées et de caméras individuelles. Là, on va côté là, on va la nini, on va koloba nini. Donc, c'est vraiment impeccable, c'est vraiment génial. Bravo à ces caméramens-là qui a essayé de zoomer, qui a essayé de voir, de filmer l'attitude de cet ambassadeur-là, il y a Rwanda. Et nous voulons ce que non, pourquoi pas aussi que la presse présidentielle nous donne aussi des éclaircissements quant à ceux, par rapport à ces gestes-là, où il nécessitait beaucoup plus de polémiques et les Congolais sont fâchés. Contenu, il y a vidéo, il y a ambassadeur, il y a Rwanda, contenu, il y a attitude naïve. Moi, na fingi été, na critiqué été, j'ai juste analysé, il n'y a pas question, il n'y a aucun des médias 14 là-dessus. Alors, très chers amis téléspectateurs, et après ça, le chef de l'État a reçu les lettres d'accréditation des nouveaux ambassadeurs. Il s'agit d'abord de l'ambassadeur du Japon, monsieur Minami Hiroyuk, qui est l'actuel ambassadeur. Qui est l'actuel ambassadeur du Japon ici, en République démocratique du Congo, dont le chef de l'État l'avait reçu hier, il a reçu aussi sa lettre d'accréditation. Et ensuite, le chef de l'État a encore reçu la lettre d'accréditation de l'ambassadeur du Norvège, qui est John Age Oslebo. John Age Oslebo, elle aussi, soit lui aussi, il était reçu par le chef de l'État par rapport à la lettre d'accréditation Oyo. Ambassade naïe, soit pays naïe, pays n'ingisaya, à Onakatia, République démocratique du Congo. Et enfin, c'est l'ambassade, soit l'ambassadeur du Canada, M. Benoît Lamaré. Benoît Lamaré aussi, lui de son côté, chef de l'État aussi, a reçu sa lettre d'accréditation compte tenu des enjeux politiques. Vous allez voir que le chef de l'État, par rapport à la diplomatie, il est un peu fort. Pourquoi il est fort? Vous allez voir que non, ça ne passe pas 3 à 4 mois. Il reçoit toujours les ambassadeurs, il reçoit toujours le corps diplomatique. C'est ça, on doit toujours essayer
d'aller plus loin, on doit toujours essayer aussi de faire en sorte que non, les Congos soient respectés dans les pays européens, américains, pourquoi pas aussi dans les pays africains, sur les plans diplomatiques, dans les pays aussi asiatiques. Bravo au chef de l'État par rapport à enthousiasme, par rapport à courage, par rapport à conviction, par rapport à détermination, où il y a même Congo. N'oubliez pas aussi que non, c'est le futur président de l'Union africaine et il doit faire en sorte que non, son pays puisse émerger, son pays puisse aller de l'avant, son pays puisse aussi avoir des acquis nécessaires pour faire avancer, pourquoi pas aussi, l'Afrique tout entière. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi par rapport à la nouvelle configuration au sein de l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire, que les députés hier ont reçu un formulaire d'appartenance politique. Les députés ont reçu un formulaire d'appartenance politique qu'ils devraient remplir chacun dans son coin et les remettre aujourd'hui samedi auprès du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Donc, en tout cas, les stratégies, et ça, vous avez toujours en place pour essayer de faire en sorte que la majorité là soit une majorité vraiment écrasante, une majorité vraiment dont les députés eux-mêmes ont prouvé leur conviction d'adhérer officiellement à l'Union sacrée. Et un formulaire a été distribué auprès des députés nationaux afin qu'ils puissent remplir et qu'ils remettent ça aujourd'hui auprès du bureau d'âge. C'est une innovation stratégique compte tenu aussi des enjeux politiques par rapport à ce que vous allez voir. Et vous allez voir aussi, hier, dans la plénière, les FCC ont boycotté la plénière. Et donc, selon eux, ils disent que non, les bureaux d'âge, entre autres, les présents Bosso, où ils ont coupé Sabango, vraiment malobaté. Là, c'était la déclaration du Kokonyangi, qui a trouvé que non, les bureaux d'âge ont travaillé vraiment l'injustice. Et les députés du FCC, boycotté Kibongo, plénière et à lobby. Donc, pour vous dire que non, l'opposition, ils ont passé. L'opposition, ils ont nzala. L'opposition, ils ont mignoko. L'opposition, ils ont gaz lacrymogène. Je vous dis, l'opposition, ils ont nzala. À tel point que non, les gens-là disent FCC, l'opposition, t'es. Mais courage à eux, comme j'avais toujours dit hier, que non, moi j'ai appelé officiellement le président Martin Fayulu à accueillir les nouveaux venus dans l'opposition, parce que j'ai ce bagou ça la lilo. Il y a Robin dans la plénière. Ils ont un geste au bandeau et les airs, ça la canne et bandeli. Les bandeli à la législature, Oana. Oh yo, pardon. Bandeau et les airs, ça la geste, Oana et bandeli. Ils ont boycotté mon plénière parce qu'ils étaient dans l'opposition. Et aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant leur tour. Pour vous dire quoi? Moi qui les change, moi qui les baloukaka, moi qui les ai en Zambie. Tout ça, il y a des peuples. Tout ce que c'est, il y a des individus. Tout ça, il y a des Congolais. Tout ce que c'est, il y a des intérêts personnels. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Mais institutions écotiques à la raseko na seko. Et puis, c'est toujours ça. Donc la politique est dynamique, dit Tolobagamé. La politique aussi, on doit avoir des convictions. On doit avoir des opinions là où chacun de nous est libre par rapport à sa pensée. C'est pour ça que vous allez voir le chef de l'État qui a dit, lorsqu'il avait réussi les 25 recrutements politiques, le chef de l'État a dit que non, ici, il n'y aura pas la politique de l'autorité morale. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il veut quand même que chacun de nous puisse être libre, être indépendant par rapport à ses propos. Et vous allez voir aussi, l'union sacrée, c'est la démocratie. Et lorsque Bemba et Katumbi refusent quelque chose, c'est la démocratie. C'est ça les beautés de la démocratie, très cher ami. C'est ça les beautés de la démocratie. Et la démocratie commence par des petites choses. C'est trop c'est le marabinéne. Non, c'est pas ça. Et alors que pour nous, c'est ça. La démocratie lutte aussi contre l'hypocrisie. Et c'est vraiment ça, c'est que nous voulons dans notre République démocratique du Congo. Donc, les députés vont remettre aujourd'hui les formulaires de leur appartenance au bureau d'âge. Alors, la motion aussi contre Sylvestre Ilunga Ilukamba Pochité, Ilunga Ilukamba qui résiste, lui qui est visé par une motion de censure. Ilukamba résiste. Moi, personnellement, j'ai suivi son conseiller juridique, M. Patrick Nkanga. Patrick Nkanga dit que le bureau d'âge n'a pas compétence d'actionner une démarche vis-à-vis ni gouvernement. Donc, selon Patrick Nkanga, le conseiller juridique du Premier ministre, il stipule que non, le bureau d'âge n'a pas compétence d'initier une motion de censure contre le Premier ministre. Donc, là, c'est le conseiller
juridique du Premier ministre. Et vous allez voir que non, selon les proches de Sylvestre Ilunga Ilukamba, le Premier ministre ne cédera pas à la pression. Selon les proches du Premier ministre, même si les chefs du gouvernement auraient réussi une demande d'aller au Parlement, il ne va pas aller. Mais maintenant, on se demande, on veut aussi des éclaircissements. Parce que jusqu'à présent, personne ne nous éclaircit quant à ça. Est-ce que les bureaux d'âge est habilité d'initier, soit de réceptionner une motion de censure pour faire tomber un gouvernement, soit pour faire. Soit pendant qu'on s'engage avec non, un ministre a s'expliquer. Alors, les uns disent que non, c'est faux, les autres disent que non, c'est vrai. Alors, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce que dit la Constitution, Katassé? Qu'est-ce que dit l'arrêté de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que dit les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale? On doit aussi essayer de fournir, soit d'envisager une démarche pour savoir un peu plus les bureaux par rapport, il y a bah, limite, il y a pouvoir, il y a bureau d'âge. C'est un peu compliqué. Est-ce que les bureaux d'âge ne violent pas la Constitution? Est-ce que les bureaux d'âge ne piétinent pas les règlements d'ordre intérieur? Vous allez voir aujourd'hui comment est-ce que le Parlement européen, et qui dit que non, on doit bloquer la route à Félix, qui veut récupérer une majorité au milieu de son mandat, ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Et beaucoup plus des fécessiens encouragent le Parlement européen qui veut barrer la route à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le Parlement européen aussi puisse donner ce que Trump a fait là-bas. Que l'Afrique ne soit pas seulement Bilangana Bango, Banyataka. Et ceux qui ont une corruption à M. Kabila, ont une bongo à Kabila, et venir ici dire de n'importe quoi. On veut laisser que les Congolais. Si c'est que le bureau, si c'est que Félix est en train de faire, et à ma B, tout ça, Bosoto, que les Congolais réagissent. Et non, vous les Européens. Et même les Congolais, la majorité des Congolais ne réagissent pas. Vous les Européens, vous faites des kuna, vous faites des profiter de la guerre à l'Est. Vous pillez le Congo à l'est là-bas et vous venez encore nous donner des leçons. Non, non, on doit vraiment finir ce genre de choses. Nous sommes un pays indépendant, un pays souverain, comme disait l'armée Amende Omalanga. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, restez branchés sur votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision. Restez branchés vraiment sur votre chaîne des informations et d'actualité politique. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à la présidente de l'Association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba, Antonio Miguel, Oncle Jérôme, pourquoi pas aussi, à l'honorable Élisée Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Rems, membre de la présentation. Total Mbalasima, bye, à la prochaine. Bon, tu vas te rendre à Nyonso, il y a un monde entier. Ba congolais dans le monde entier. Ngai maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na yeli boso na bino lelo na sengi bino bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso décompte ya RDC Monde, to pesa ki transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là dedans. Bande kolangai botala soki nanga botalité bokende na YouTube sur RDC Monde TV bokomona RDC Monde et saliba preuve na RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses na kationa tousan statistique par pays. Pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, Transparence, tout le temps à projet. Futur, nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, 4 abonnés.